Et c'est en étant avec une Française que j'ai appris quelque chose de très important. J'ai appris comment me mettre en colère en français. Parce que c'est pas évident de se mettre en colère dans une langue qui n'est pas la tienne. Parce que chaque fois que je me fâche, j'ai le mot et les émotions qui sortent de moi comme de la vapeur d'une cocotte minute. Tandis que la grammaire reste collée au fond comme des carottes trop cuites. Par exemple, quand quelqu'un me fait une queue de poisson, je dis « Je vais te faire du foutre !» Qui est plus une promesse qu'une insulte, honnêtement. Et dans le marais, c'est une manière de draguer. Et donc, chaque fois que je me dispute avec ma chérie, je perds. Parce qu'elle a plus de vocabulaire que moi. Par exemple, je vois toujours pas la différence entre les insultes suivantes. Connasse, poufias et pétasse. Est-ce que c'est une question de coupe de cheveux? J'ai pas compris. Par contre, je suis incollable sur les insultes pour les hommes. J'ai appris qu'un crétin est un homme stupide. Un blaireau est un homme stupide qui s'habille mal. Un abruti est un homme stupide qui fait de la muscu. Un salopard est un homme méchant moustachu du 19e siècle. Un salaud n'est pas vraiment un mec méchant. Juste, il fait pas ce que les femmes veulent, donc il pécho. Et un connard n'est pas méchant non plus. Juste, ils s'en bat les couilles. C'est à peu près ça, en gros. C'est quand même bizarre comme expression. S'en battre les couilles. Vraiment? Vous n'avez pas trouvé plus insultant comme expression que « je m'en bats les couilles ». Ce que tu me racontes est tellement ennuyant que j'ai pas autre chose à faire que de battre mes couilles. Mais il y a pire que « je m'en bats les couilles ». Il y a « j'ai rien à battre ». Moi, j'ai pensé que « j'ai rien à battre », c'est « je m'en bats les couilles » pour les femmes. Mais non, on peut dire « j'ai rien à battre », ça veut dire que c'est tellement chiant ce que tu me racontes que j'ai eu le temps de battre mes couilles. Juste que je n'ai plus de couilles. On peut partir en couilles. Vous avez quel genre de testicule ici qu'on puisse partir en couilles? La langue m'en vient, hein? Super.